Aujourd'hui, les éco-délégués, nous visitons l'usine Ecoplas et Tekaya. Les bouteilles recyclées à Ecoplas viennent de Sousse et de toute la Tunisie. Tonnes de plastique recyclé par jour font 10 tonnes de matières premières. Les bouteilles sont d'abord pesées. 45 bouteilles font 1 kg et 1 kg font 1 dinar pour les glaneurs. Les bouteilles sont triées par couleur puis traitées. Les bouteilles sont broyées puis lavées. Les paillettes de bouchons et d'étiquettes flottent contrairement à celles des corps de bouteilles. Nous arrivons à l'usine Tekaya qui revalorise cette matière première. Ces paillettes vont être transformées en liens de cerclage. L'aimant retire tous les métaux indésirables. Les paillettes sont filtrées. Les paillettes sont lavées à chaud puis à froid pour être déplacées dans l'autre pièce. Elles sont séchées puis stockées dans un énorme sac. Les paillettes sont fondues pour créer la matière des bandes. D'abord, les bandes font 4 cm, puis sont étirées dans des rouleaux pour ne faire que 2 cm. Les bandes prêtes sont enroulées puis stockées. Elles serviront à cercler des palettes de briques. Nous avons visité la salle de test pour contrôler la résistance des bandes. Le déroulement de la visite m'a étonnée, je ne pensais pas qu'ils étaient recyclés de cette manière.